Bonjour. Le premier ministre du Québec, François Legault, a déclaré cette semaine que son gouvernement envisage d'accueillir moins d'immigrants pour compenser l'augmentation du chômage. Ce n'est qu'une bonne raison de plus pour revenir à des niveaux d'immigration plus raisonnables. Et il y en a bien d'autres. J'en ai discuté l'an dernier lorsque j'ai annoncé la plateforme du Parti populaire du Canada sur l'immigration et le multiculturalisme. C'est vrai qu'il y avait encore jusqu'à récemment des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit que nous devons accueillir une proportion plus élevée d'immigrants économiques qualifiés et moins de personnes à charge. Mais maintenant, avec la montée en flèche du chômage, les pénuries ont disparu. Nous aurons évidemment besoin de moins d'immigrants économiques. Et nous ne savons pas combien de temps durera cette crise. Mais une chose est sûre, nous devons donner la priorité aux travailleurs canadiens à la recherche d'un emploi. Évidemment, ce n'est pas politiquement correct de discuter d'immigration au Canada, à tout le moins en dehors du Québec. Tout l'establishment mondialiste canadien fait pression pour des niveaux d'immigration plus élevés, y compris le soi-disant Parti conservateur. C'est toujours plus et plus et encore plus. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, c'est que vous êtes un raciste ou un xénophobe. C'est de la foutaise, évidemment. On devrait arrêter l'immigration de masse et calibrer les seuils d'immigration pour que ça apporte un bénéfice au Canada et non que ce soit un fardeau. Le gouvernement libéral n'a toujours rien annoncé en ce qui concerne la révision de ses seuils d'immigration pour l'ensemble du pays. Nous devons faire ce débat maintenant, plus que jamais.